Gulli présente. Allez. Allez, vas-y, crochet là. Vas-y, crochet là, vas-y. Mais vas-y, le shoot là. Vas-y, fais. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ben Johan, t'es là. Comment ça va, esprit de la boîte? Je vois que t'as trouvé ton cadeau. Ah, mais. C'était pour moi. Oui, mais attention, c'est fragile. Ah, allez, bien, tu l'ouvres. Dis donc, t'as vu l'heure qu'il est là? C'est l'heure d'une The Boîte. Bah oui, mais ouvre ton cadeau, Johan. Après, hein. Allez, bon. Générique. Ah bah oui. Johan, allez, ton cadeau. Bienvenue sur Gulli, sur le plateau d'In The Boîte, votre jeu préféré, bien entendu, le jeu où l'union fait la... Avec un public en Bon, là, on n'a pas trop suivi, mais c'était en délire. Eh, hey, esprit de la boîte, il y avait quoi dans le papier cadeau? Eh bien, de la porcelaine de Limoges. Oh, Johan. Bah, j'ai bien fait de le casser. Attends, allez, avec qui joue-t-on aujourd'hui? Aujourd'hui, en vert, la famille Lactar. Soraya, multilingue, accompagne son frère Aziz, 10 ans, futur astronaute, et son cousin Ismaël, 11 ans, footballeur. Aziz, Ismaël, Soraya, la boîte noire, méfie-toi. Attention, esprit de la boîte, les voilà. En face, la famille Sissoko en violet. Fini, qui a peur des sauterelles, est venu avec son fils Matteo, breakdancer, et avec Alex, un ami pongiste. Ils ont tous les deux 10 ans. Matteo, Billy, Aïs et Watt, on les boîte. Hey, Soraya, j'adore votre t-shirt avec le petit chien là. Ah, il est super. On sent qu'il peut être énervé, lui. Il peut être énervé, hein. Ah oui. Est-ce que vous êtes prêts pour la première manche? Oui. Alors, c'est parti. Mais avant, regardez ce pourquoi vous jouez. Pour se retrouver en famille, une semaine dans l'une des destinations de notre partenaire. Soraya, Philly, ça commence bien. Ça commence très très bien. Gardez le sourire. Hein. Vous allez vous affronter au dessin. Bon. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes des gâchettes du stylo, que vous peignez aussi bien que Picasso? Si ce n'est mieux. Ouh, mise de pression de Soraya. Là, ouais. Ah oui, attention là. Il faut répondre, Philly. Il faut répondre, c'est de l'intox. Là je ne sais rien que dire. Non. Elle sait pas. Ah, vous êtes à ce point pourri en dessin? Ouais. Eh bien écoutez, pourri. Ce sera pour notre plus grand plaisir. Venez vous mettre en place, Soraya, Philly. Ouais. À côté du tableau pour le dessin. Je vous donne vos stylos, il va falloir dessiner chacune votre tour quelque chose qui va s'afficher dans cet écran. Aujourd'hui, en l'occurrence, nous cherchons des métiers. 10 secondes par 10 secondes, soyez rapides, soyez perspicaces, soyez des grenades du stylo. 3, 2, 1, top! C'est parti et ça commence avec les Lagdar et Soraya. Un métier, vite les garçons. Oh là là, ah oui, oh là là. Un métier? Non, c'était cuisinier. On enchaîne, vite, Philly. Allez, les filles, on perd pas de temps. Chaque seconde compte dans ce challenge. Voiture. Les Sissoko. Non, bah, un métier. Il y a la voiture. Taxi. Non, mais chauffeur. Non, c'était garagiste. On enchaîne. Allez, Soraya. Les Lagdar, concentré. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, ok. Pilote d'avion, bonne réponse. Yeah. Enfin. Allez, pour les Sissoko, un métier. Randonnée. Non, pour l'instant c'est un bonhomme. Alors, c'est quoi ça? C'était un médecin, on enchaîne. Alors, les Lagdar. C'est quoi ce... Oh bah oui, c'était quand même mal parti ça. Alors, c'était boulanger. J'en reste sans voix, on enchaîne avec les Sissoko. Alors métier, toujours un métier. Métier plutôt artistique en l'occurrence. Peintre. Non. Plongeur. Non, pas du tout, c'était musicien. On enchaîne. Avec les Lagdar. Et regardez bien, Soraya, ça commence toujours de la même façon. Mais là, ça s'énerve. Elle s'énerve. Faut pas l'énerver. Allez, c'était bûcheron. On enchaîne. On enchaîne avec vous. 1, 2, 3, 2, 1. Et top chrono. Ah non, hein. Hey, ça mérite beaucoup plus de bruit quand même, hein, parce que là, c'est énorme.
Alors là. Non mais hey, déjà, quand tu vois la tête de l'avion, tu rêves. Hein. Non mais la tête de l'avion, l'avion il vit, il a une vie l'avion, il a un cerveau, il a un œil. L'avion est fort. Alors, ça c'était une baguette de pain, hein, donc qui était partie assez stocko sans la baguette. Hein. Après plus petit, bûcheron, c'était quoi le délire? C'était la hache. Oui, 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 bah oui, bah oui. On va aller sur vos dessins après. Parce que là, c'est... Alors, ça, ça voulait dire quoi? Ça, c'est un stéthoscope. D'accord. Là, et ça, c'est qui, ça? C'est un bébé? C'était un enfant. C'est un enfant, bon, donc... Pas fini, mais bon. Bah, oui, il est pas fini, là. Il manquait des jambes. Ça a pas du tout. Et alors ça, l'eucalyptus, là... C'est... Moi, j'aurais dit un corps de cafard au début, mais bon. Et ça, c'était... Bah, garagiste, une voiture, et puis il regardait sous le capot. Bon, les filles, allez, rentrez dans vos zones, c'est n'importe quoi. Allez, hein, allez. Ah, là, c'est pas possible. Là, c'est... Bah, là... Non, en plus, elle se justifie, quoi, esprit de la boîte, j'y crois pas. À l'image du tableau, les deux familles sont transparentes. 100-0 pour les Lagdars. Moi, je me remets pas de l'avion avec les yeux, là. L'avion, il pense même. L'avion, vous faites quoi dans la vie, déjà? Agent d'escale commercial. D'accord, donc vous êtes dans les avions, vous aussi? Tout à fait. D'accord. Eh ben, ça doit pas voler beaucoup, ces avions. Allez, on enchaîne avec le coup. Bon, et ben, j'espère que niveau culture générale, c'est mieux qu'en dessin. Ouais. Hein, franchement, ouais. Hein, ouais. Ouais, ouais. Trois questions, trois propositions, puis la question à la... 200 points par bonne réponse. Mais pour se détendre un petit peu, allez, petit passage de danse hip-hop avec Mathéo. Allez, démonstration, go, on y va. Vas-y. Vas-y là, vas-y, envoie. Vas-y, fais le show là. Vas-y, envoie du bois, vas-y, quand tu veux. Attention, vas-y, envoie là. Vas-y, hey, je suis tout seul là. Vas-y, fais péter. Allez, au sol là, attention, ça fait mal aux yeux, ça fait mal aux yeux, au sol. C'est tout. Ah là, tu peux. Ah bah, on peut plus l'arrêter après, hein. Faut pas le lancer, Mathéo, parce qu'après, il enchaîne. Bravo, Mathéo. J'aime bien le passage comme ça, là. Ta, 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 ouais. Attends, c'est Mathéo. Oh, oh, vas-y, gros. J'adore. Ismaël, on se détend avec un peu de ballon aussi. Vas-y, fais péter le ballon, là. Vas-y, fais chauffer le ballon. Je suis en train de foutre, là. Ouais. Vas-y, fais péter le ballon. Vas-y. Vas-y, là. Va, deux, voilà, trois, c'est tout. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. Allez, je peux pas m'empêcher. Je peux pas m'empêcher. Ouais, j'avoue, excuse-moi Ismaël, mais je peux pas m'empêcher. Hein. Dès que je vois un ballon, faut que je tacle. Ouais, c'est pas grave. Faut que je tacle les crampons, tout la totale. Je suis méchant moi sur Internet. Ouais, je sais. Bravo les gars, ça fait du bien, ça détend. Mais on est là pour marquer des points, on est d'accord? Ouais. Première question sur le Sphinx. Sphinx? Le Sphinx. Le Sphinx, c'est un drôle de chat sans poils et sans queue, sans moustache ou sans tête. Les Lagdars. Faux. Ah non, sans queue, sans moustache ou sans tête. Faut répondre. Sans queue. Alors, sans moustache. On valide. Ouf. Soraya vient donc d'une planète étrange où il faut dire vrai ou faux. En l'occurrence là, c'était faux. D'accord. Ça va sinon Soraya? Oui, tout va bien. Oui, tout va bien. Non, très bien, très bien. On en reparle même plus. Non. D'accord. Passons. Là, c'est faux. Cassé. Bonne réponse pour les moustaches. Eh oui. Cette race a été créée à partir de deux chatons de gouttière qui étaient naturellement nés sans poils. Voilà, 200 points supplémentaires pour les Lagdars. 300 points pour. En Corée du Sud, la nouvelle mode sur Internet consiste à regarder en direct une personne manger, travailler ou dormir. Les Lagdars. Une personne manger, on valide. Ismaël et Aziz ont dit manger. Vous, Soraya, vous auriez dit vrai ou faux? J'aurais dit vrai. Vous auriez dit vrai? Ouais. Vrai à leur réponse? Oui. Et vous auriez bien fait, car c'est une très bonne réponse. Ouais, bien joué. Ouais. Vous savez comment ça s'appelle? Non. Le mukbang. Mukbang? Le mukbang, ouais. Jamais entendu. En fait, les internautes... Je ne connais pas.
commentent le repas d'inconnus qui mangent devant leur webcam. C'est hyper intéressant. Intéressant. Ouais, mais bon, en tout cas, on ne regarde pas les Sissoko gagner. Oui, oh non, 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 non. Bah non. Oui, mais les Sissoko, ils sont là, ils attendent, ils vont sortir voilà. Au bon moment, là. J'espère que ça va être chaud. Maintenant une question. Faut appuyer. Une question sur Zlatan. Zlatan est un prénom d'origine slave qui signifie en or, en force ou penalty. En force, on valide. Non, en or, en or. Aziz, dès qu'il entend Zlatan, c'est en force. Mais de l'autre côté, il joue en force. Ça lui va bien, ça lui va bien. Mais en fait, c'était en or. Eh oui, mauvaise réponse. Zlatan est un prénom courant en Serbie ou en Croatie ou encore en Bulgarie même, qui vient de Zlato. Et Zlato, ça veut dire or. Et franchement, quand on le voit, effectivement, il est en force, mais c'est aussi un joueur en or. Question à la... Pas besoin de buzzer. Vous aurez 10 secondes pour vous concerter, puis me donner vos propositions. C'est la famille qui aura donné la réponse la plus proche de la réponse exacte qui marquera 200 points. Dans la bande dessinée, en quelle année se passent les aventures d'Astérix? Réfléchissez. Concertez-vous. Si vous faites un tout pile, 500 points supplémentaires pour votre famille, autant dire les Sissoko que vous pouvez égaliser. Alors, Philly, Alexandre, Mathéo. Dans les années 50. 50 avant ou après Jésus-Christ? Avant Jésus-Christ. Moi j'aurais dit 100. 50 avant Jésus-Christ. Là, vous êtes en train de m'énerver, Alexandre. Hein. Ce qu'il voulait dire 100, lui. Avant Jésus-Christ. Vous, 50. C'est 50. Non, c'est 50 avant Jésus-Christ. 50 avant Jésus-Christ. Et Lagdar? 1800. Dans 1800. Les années 1800. Ouais. Avant ou après Jésus-Christ? Avant. Après 1800. Après Jésus-Christ. Roulement de tambour? Bah là, je suis pas sûr. Hein. En revanche, il y a un tout pile. C'est quoi Toupil? C'est ils ont eu la bonne réponse. Toupil, c'est qu'il y a eu une bonne réponse. C'est nous? Non. Non. Soraya a perdu toute motivation. Hein. Bon, d'autre côté, c'est évident. Hein. Les Sissoko, c'est 50 avant Jésus-Christ. Toupil pour vous, bravo! Au début de chaque album, nous sommes en 50 avant Jésus-Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains. Bien joué. Ils sont fous ces Sissoko. Ah, ils sont fous. Égalisation. Ah ouais, ah 500 points partout. C'est énorme. Eh, hey, je vous avais prévenu. Les Sissoko, je les voyais, ils attendaient tranquillement comme ouais. Ça le bon moment pour égaliser là. Et bam, ils égalisent. Bien joué. Ça nous promet un très très beau challenge des enfants. Les candidats, j'espère que vous aimez l'or. Oui. Car aujourd'hui, il va falloir plonger dans l'océan de boules pour récupérer un maximum de ces choses que ne veulent pas donner les producteurs. Donne, allez, donne, donne-moi ça, donne, voilà. Des bourses d'or. Vous allez vous affronter à la chasse au trésor. Les candidats, venez vous mettre en place. À côté du squelette d'In The Boîte et récupérer un maximum de ces choses. Attention, 1 minute 30, 3, 2, 1, top chrono, c'est parti pour cette chasse au trésor où il faut être téméraire car croyez-moi, Philly, quand on tombe dans les boules, on a du mal à s'en sortir. Car c'est profond, ça vous aspire. Pour l'instant, une chasse au trésor qui se passe très bien avec ces deux familles qui donnent tout. Et Soraya, la corsaire un petit peu aujourd'hui, la chef corsaire des Verts, est à fond. À fond de fond, ça se passe bien. Ouais, tout va bien. Allez, Aziz. Allez, on balance. Je vous rappelle que pour l'instant, c'est égalité, 500 points. Pour les deux familles, donc faut y aller, hein. Allez, hein. On y va, on est à fond. Allez. Speed, allez, vite. Allez, faut speeder. Allez, vite. Et regardez.
Vous avez pris l'avantage, les violets, ouais. Là. Ouais, ça se passe bien. Ouais, bravo les gars. Il reste 20 secondes et il vient de faire un plat. Il vient de faire un énorme plat, là. Ça se prie. Allez, 10 secondes, il faut y aller. Allez, Fili, allez, Fili, c'est bien. Oh là 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 là. Et top au chrono. Eh, ça va les champions, là? Et qui est-ce qui a fait un gros plat, là? C'est Alexandre. Et là, t'as carrément plongé, toi. Hein. Bon, alors, du côté des verts, venez voir à la maison. Du côté des verts, une bourse, deux bourses et trois bourses. Bien joué. Venez, parce que les violets, ils ont fait le pactole. Hein. Allez, une, deux, trois, quatre, cinq et six bourses, esprit. Les Sissoko chamboule les lacs d'art. 1100 à 800 pour les violets. Eh ouais, les violets ont pris l'avantage. Les garçons, retournez dans vos zones de jeu. Renversement de situation sur le plateau. Oh là 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 là. Ça nous promet une très belle demi-finale. Le quiz des enfants, c'est juste après ça. À tout de suite. Oh, j'adore. Faut pas trop dire Joanne parce qu'après là, je m'enflamme. Et après, j'essaie de jongler, de faire des folies. J'espère que vous êtes toujours bien sur Gulli, bien entendu. Si vous n'étiez pas là avant la pause, regardez ce que vous avez loupé. Ismaël, Aziz, Alexandre et Mathéo qui donnent tout. Regardez-moi les plats qu'ils ont fait dans les boules. Regardez celui-là, c'est encore mieux. Regardez la tête, la première. Beaucoup de grâce et beaucoup d'élégance. Pour l'instant, ce sont les Sissoko qui sont devant. Mais les lacs d'art, vous n'êtes pas loin, 800 points. Ça va. Le quiz des enfants, une série de questions, 200 points par bonne réponse. Ce sera chacun votre tour et vous n'aurez que 3 secondes pour répondre aux questions que je vais vous poser. Mathéo, est-ce que tu es prêt? Ouais. Attention, pour une place en finale, top, les Schtroumpfs en raffolent. La groseille ou la salse pareille? La salse pareille. Oui, bonne réponse. C'est une plante, bien joué. Aziz, dans le top 14, on applaudit des rugbymen ou des top modèles? Des rugbymen. Oui, c'est le championnat de France de rugby. Bien joué. Alexandre, les pyramides d'Égypte sont les anciens palais des pharaons. Vrai ou faux? Vrai. C'est faux, c'est leur tombeau. Ismaël, dans le Seigneur des Anneaux, Gollum est un orc ou un ancien hobbit? Orc. Et non, c'est un ancien hobbit. Ah ouais. C'est transformé à cause de l'anneau. Mathéo, dans les spectacles de marionnettes, c'est le grand copain de Niafron, Guignol ou Pierrot? Pierron. C'est Guignol. Aziz, quand on plie le bras pour montrer ses muscles, on fait voir ses biceps ou ses pectoraux? Ses biceps. Oui, pectoraux, c'est la poitrine. Alexandre, ils ont remporté l'équivalent des victoires de la musique aux États-Unis, One Direction ou Daft Punk? Daft Punk. Oui, bonne réponse, en janvier 2014, bien joué. Ismaël, en règle générale, on porte un cache-nez pour se déguiser ou se réchauffer? Se réchauffer. Oui, c'est une longue écharpe. Mathéo, chaque jour, les bébés baleines bleues avalent 400 litres de lait ou d'eau de mer? De lait. Oui, ce sont des mammifères. Aziz, qui sont Bouffi, Crado et Teigneux pour Casper le gentil fantôme? Ses ennemis ou ses tontons? Ses tontons. Bonne réponse. Alexandre, le 11 du mois est toujours férié, en novembre ou en mai? En mai. En novembre, c'est l'armistice de 14-18. Ismaël, l'air que nous respirons est composé d'oxygène pur, vrai ou faux? Faux. Comme aurait dit Soraya, bonne réponse. Mathéo, le héros de conte qui vole les bottes de 7 lieues, le petit poussé ou le chaboté? Le chaboté. C'est le petit poussé. Je connais pas. Aziz, la personne qui envoie une lettre, c'est le destinataire ou l'expéditeur? Le destinataire. Ah non, le destinataire, il la reçoit. Alexandre, il est élu pour 6 ans, le maire ou le président de la République? Le maire. Le président, c'est pour 5 ans. Ismaël, ses feuilles sont un poison mortel, le laurier rose ou le lilas? Le lilas. Le laurier rose. Ah non. Superbe quiz. Il y a eu des rebondissements dans ce quiz. Les lacs d'art qui étaient malmenés sont à un moment passés devant. Puis les Sissoko sont repassés devant. Puis les lacs d'art énervés sont encore passés devant. Et à la fin,
À la fin, les six socos ont fini devant. Ouais, ouais. Avec 4 bonnes réponses et 1900 points, c'est donc vous qui irez en finale aujourd'hui. Affronter l'ignoble esprit de la boîte. Les Lagdar, 5 bonnes réponses, donc mieux que les Sissoko, 1800 points, ça s'est joué à 100 points. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Ouais, ça a été une superbe émission. Ismaël, Ismaël, un jour, je viendrai te voir jouer au Parc des Princes devant tout le public. Tu seras à fond. Je sens le futur champion. A très bientôt. Merci. Et vous repartez avec plein de cadeaux, regardez. Des entrées pour toute la famille, pour l'aquarium de Marne-la-Vallée, le Robert Illustré et son dictionnaire internet, le collège numérique, sans oublier la boîte de jeu In the Boîte, offert par nos partenaires. Ok, Mathéo, Alexandre, belle victoire, petite victoire, mais belle victoire, c'était un beau match. Un petit mot à dire à l'esprit de la boîte avant de filer dans la boîte noire. Tu me fais pas peur, ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien, t'énerves pas, t'énerves pas. Allez. Allez-y les clowns, faites-moi rire. Non, non, mais vous inquiétez pas. On va dire ça, tu vas le regretter. Tu vas le regretter, c'est simple, c'est bien dit. Mathéo, file derrière le pupitre. Quant à toi, Alexandre, sois extrêmement rapide, 3 minutes, tu as un buzzer. Si tu appuies dessus, tu gagneras 10 secondes supplémentaires. Il m'écoute plus, il est à fond. Est-ce que tu es prêt? Oui. 3, 2, 1, top! C'est parti! Direction! Non, Alexandre! Devant toi, il y a un trou. Le trophée, on l'espère. À gauche! Philippe, venez avec moi. Voilà. À gauche. En haut. À droite. À droite. Il a trouvé le passage. Ouais, non, refais demi-tour. C'est juste à côté droite, de lui, à droite. Baisse-toi à droite. Philly, je vous rappelle que vous pouvez parler à Alexandre. À droite, voilà, c'est ça. Voilà. Il vous entend. Oui, oui, rentre dans le trou. Vas-y, vas-y. Tout droit, tout voilà, droit, parfait. Tout droit. Et je vous rappelle bas, à la maison qu'Alexandre est complètement immergé dans le noir, il ne voit rien. Et si nous on le voit, c'est qu'il y a des caméras infrarouges. Voilà, c'est ça, oui. Mathéo guide. À droite, à gauche, Alexandre. Allez, on y va, on avance. Gauche. En dessous. Et les élastiques. Alors, le conseil, hein, c'est passer par en dessous. Non, de l'autre côté, Alexandre. Non, Alexandre. Si, il est bien, là. Il est ah, très, oui, très vas-y, bien. Vas-y. Demi-tour. Vas-y. Okay. Non, continue. Super. Voilà, les élastiques, oui. Et les élastiques, allez. Tout droit, vas-y. Voilà, vas-y. Les élastiques. Allez, passe. À gauche. Vas-y, va à gauche. Voilà, vas-y, continue. Oh là. Va à gauche, Alex. Ah là, il y va comme un sauvage, vas-y. Mais c'est vas-y, la bonne bien, méthode. Hein. C'est ce qu'il faut faire. À droite. Il peut récupérer 10 secondes, appuie, là. Appuie sur le buzzer. C'est pas grave, continue. Appuie. Ah, il a trouvé, oui, le buzzer. En bas. Vas-y. C'est pas grave. 10 secondes. C'est bon, il est trouvé. Supplémentaire. Vas-y. Petit moment de répit dans le chronomètre qui fait pas de mal. Devant les clés. Mais il trouve pas la serrure. Allez, il faut trouver la serrure. Mettre le passe à l'intérieur. Vite, on se dépêche. Il l'avait trouvé pourtant. Là, oui, t'es devant le 5. Vas-y. T'es devant le 5. Allez, c'est pas là. Ensuite. Ça y est, il a la méthode. Et il c'est a la le méthode. 8. Ok, il l'a. Il faut sortir, ouais, maintenant. Sors. Il faut sortir. Ouais, le voilà. Non, mais j'y crois pas. Regardez plutôt là-bas que toute la France et tout le public vous voit. Énorme. Il vous restait plus d'une minute quand même, hein. Non, mais t'as été un sauvage dans cette boîte là. Esprit de la boîte, ils t'avaient prévenu, hein, tu leur fais pas peur. Voilà. Mais je ne regrette rien du tout. Bon, les boss du jour, regardez ce que vous avez gagné. Pour se retrouver en famille, une semaine dans l'une des destinations de notre partenaire. Franchement, n'oubliez pas de nous envoyer une petite carte postale, hein, un message à passer. Super. Hey, les potes, vous ne croyez pas que j'irai à In The Boîte, mais vous voyez la preuve. Eh ben voilà. Ouais. Dédicace à mes adultes préférés, à mes potes. Vous avez prévenu que j'allais gagner. Ouais, on est des winners. Vous avez été des boss. À très bientôt. Ouais, et profitez attends, bien de vos vacances. Sûr. Si vous aussi voulez venir ici affronter la boîte noire, c'est très simple. Allez sur internet www.guilly.fr et n'oubliez jamais In The Boîte. Ciao. Inscrivez-vous, vous n'avez encore rien vu.
Avec Gulli Replay, tes héros préférés te suivent partout.